tennis, ma chaîne YouTube Maggie Close et Talent. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai changé de coupe de cheveux. Oui. Bon, pas aujourd'hui parce que ça fait à peu près 3 ou 4 semaines que j'ai cette perruque parce que oui, c'est une perruque. Et j'ai eu tellement, mais tellement de compliments, c'est incroyable. À chaque fois que je sors de la maison, il y a quelqu'un pour m'interpeller et me dire « Wow, madame, mademoiselle, vos cheveux sont magnifiques. » Et moi, je suis comme... Merci, mais ce sont pas mes cheveux. Ils sont comme, ah ouais, ce sont pas vos cheveux. Je suis comme, oui, ce sont pas mes cheveux, c'est une perruque. Si c'est une femme, je veux dire, c'est une perruque. Si c'est un homme, I'm not gonna say anything. Donc, partout où je vais, même quand je vais dans le métro ou au centre commercial, là, il y a beaucoup de gens, il y a toujours une femme pour m'interpeller, comme les femmes, elles savent. Hein. Et bien, elles sont comme, ma chérie, où est-ce que tu as acheté tes cheveux? Je suis comme, c'est à moi, c'est mon site internet, maggieclosset.com. Et ils sont comme, oh wow, il me faut ces cheveux. Et même, il y a une fois, une madame, dans le métro, elle n'avait pas internet sur son téléphone pour prendre le nom du site. Donc, elle m'a dit, non, 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 il faut que je trouve un papier pour noter ça. Il me faut cette chevelure. J'étais comme, ok. Donc voilà, si vous voulez connaître les détails de la perruque et si vous voulez également connaître la différence entre une lace front wig, une full lace wig et comment entretenir ces mèches curly, continuez à regarder. Donc on va commencer avec les détails de la perruque. Ce que je porte actuellement, c'est une lace front wig, mais il y a également des full lace wigs disponibles. C'est une lace front wig de taille 24 pouces. Les boucles, ce sont des jerry curl. Et c'est de densité 180%. Maintenant, toutes les perruques sur maggieclosset.com sont de densité 180%, ce qui signifie que des cheveux, vous en avez en masse. Quand je dis en masse, là, c'est vraiment cheveux de diva. Qui n'aime pas les cheveux de diva? Ok, je me perds. Bref. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi elles ressemblent. Ce sont des brésiliennes. Ce sont des brésiliennes jerry curl, comme j'ai dit. Les boucles sont super belles. Je vais me tourner, vous allez bien voir. Il y en a vraiment beaucoup. Comme ça. Oh là là, mon highlight est un flic aujourd'hui. Un flic. Donc, on va tourner. Donc voilà, et la livraison prend environ 2 semaines parce qu'il faut laisser le temps de confectionner la perruque. Elles sont faites sur commande et non stockées. Et voilà, donc si vous voulez, maggieclosset.com. Ensuite, j'ai un petit cadeau pour vous. Pour les 5 prochaines commandes sur cette perruque principalement, je vous offre un rabais de 15% avec le code Maggie15. Juste les 5 prochaines commandes. Maintenant, on va parler de la différence entre les lace front wig et les full lace wig. Une lace front wig est faite avec de la dentelle juste sur le devant et des lignes en arrière. Je m'explique. La partie où il y a la dentelle sur le devant, c'est comme si vos cheveux sortaient de votre cuir chevelu. Donc, ils sont insérés un à un en fait. Alors que pour une full lace wig, c'est la dentelle partout. Donc, les cheveux sont vraiment insérés partout, un à un, sur la tête. Et ce qui fait que c'est plus cher parce que ça prend plus de temps à faire. C'est beaucoup plus complexe. Mais avec une lace front wig, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je vous jure. Là, vous pouvez faire toutes les coiffures que vous voulez. Là, présentement, j'ai une lace front wig taille 24 pouces, comme j'ai dit précédemment. Et là, je la porte avec une raie sur le milieu. Mais vous pouvez faire des raies partout sur le devant. Vous pouvez faire des flips comme ça sur le côté. Hein? Ou bien vous pouvez faire des flips sur l'autre côté. Vous pouvez également faire des vraies fentes, mais c'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de faire la fente, mettre un petit peu de poudre et tout le tralala là. Et voilà, vous pouvez faire également des queues de cheval, hein, parce que derrière en fait, il y a un peu de dentelle également. Vous pouvez la coudre. Ou vous pouvez également coller, c'est au choix. Mais moi, j'aime pas vraiment coller en arrière, sauf je fais juste coudre des fois, mais là, présentement, je ne l'ai même pas cousu. Donc, vous pouvez faire des ponytails, comme ça. Vous pouvez faire des demi-ponytails que tu vales. Vous pouvez faire plein de choses, vraiment, c'est au choix, quoi. Mais c'est une de mes perruques préférées, voire la préférée. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur de la perruque en soi. Comme ça, vous allez pouvoir voir à peu près à quoi elle ressemble
hors de la tête en fait. Ensuite, pour l'entretien, mesdames, une fois que les cheveux sont coupés du donneur, elles ont besoin d'une double hydratation. Ce n'est que logique. Je vais vous expliquer. Votre corps humain fournit des nutriments à vos cheveux, hein, normalement, à travers le cuir chevelu. Donc, c'est une hydratation intérieure. Mais en plus de cela, la plupart du temps, on a toujours besoin d'avoir une lotion, une huile, patati patata, parce que ce n'est pas suffisant. Malgré les nutriments intérieurs, on a quand même besoin de l'hydratation extérieure, parce qu'il y a la pollution, toutes ces agressions extérieures, la chaleur et tout, ce qui fait que on a besoin d'une huile. Les extensions maintenant, une fois qu'elles sont coupées du donneur, elles ont besoin d'une double hydratation. Donc, c'est tout à fait normal que au bout de quelques temps, vous constatez que vos cheveux ne sont plus comme au départ. C'est normal parce que les nutriments, petit à petit, ils s'en vont. Donc, moi, ce que je fais pour entretenir mes cheveux curly, les cheveux lisses, c'est autre chose, mais les curly, j'ai besoin de ça. Un spray avec de l'eau à l'intérieur. Je vaporise chaque jour. Je dis bien chaque jour, je vaporise au moins de l'eau. Je ne vais pas mettre nécessairement des produits, mais chaque jour, je vaporise de l'eau sur les cheveux. Ensuite, j'applique un curl definer. Ça, c'est un échantillon que j'avais eu dans un magasin il y a peut-être 2 ans. Là. C'est récemment que je l'ai trouvé. J'étais comme, ok, je vais essayer et j'aime bien. C'est un Pro Style Curl Enhancer Gel Activator. Donc, j'en mets un petit peu sur toute la chevelure. Et également un deuxième que j'aime bien, c'est Texture My Way. Ça, je l'ai depuis peut-être 5 ans. Là. Je l'adore. Mais il ne faut pas mettre beaucoup, c'est de la mousse. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que sinon, ça rend le cheveu pas rêche mais dur, parce que ça définit vraiment bien les boucles, mais ça fait comme du gel en fait, mais c'est comme, je sais pas comment le dire. Donc voilà, c'est comme ça que je le fais. Donc voilà, ce sont des cheveux naturels, donc vous pouvez les lisser, vous pouvez les boucler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans une autre vidéo, je peux vous montrer des différentes coupes de cheveux qu'on peut faire avec une lisse frontwig, hein. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, définitivement je vais la faire. Et je vais également vous montrer comment vous pouvez la lisser, hein, vous pouvez la lisser et vous montrer que les boucles, en fait, une fois que vous allez les mouiller, elles vont redevenir comme avant. Vous pouvez également les teindre, les bleach, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne les amis, abonnez-vous! Suivez-moi sur les réseaux sociaux, mon Snapchat, mon Instagram, venez faire partie de my family, oui! Et puis on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, gros bisous, mouah!